Ah ouais, tu m'as apporté ta lingerie. En plus, il va falloir que tu me l'autographies. Mais t'as pas le droit de l'amener chez toi. You balance? Hey, Matt! Hein? Hey! Non! C'est-tu qu'est-ce que tu parles? Non, 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 mais faut pas que t'en parles de ça, là, ok? Je m'excuse, je vais l'enlever, là. Je vais te donner 20$. Ok, pour 20$, là, je le mettrai pas au montage. Ok, je vais te le donner, je te le jure. C'est bon. Bonjour! Bienvenue au vlog au coin du pédaleur. Cette semaine, mon invitée, elle revient au vlog. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle m'a apporté. Je suis vraiment, vraiment content de recevoir Karine Champagne. Karine! Allô! Ça va? Ça va toi? Mais oui, mais oui. Belle brotte des bois, je suis si contente de te retrouver. Ça aussi, on va pouvoir le retrouver. Hein? C'est bon. Hey, c'est fun que tu sois là. Tu sais, Karine, moi, là, l'année passée, tu étais venue. Je me rappelle, tu m'avais apporté, je pense, je me rappelle, une brassière. Ouais. un petit morceau de lingerie comme ça. Puis tu m'avais dit pas. Tu sais, moi, je l'ai jamais porté. Hein, en passant, là, ça m'a jamais passé par l'idée non, de la porter. Fait que j'ai vraiment hâte de voir cette année ce que tu m'as amené. Parce que, tu sais, t'es la seule quand même qui m'a apporté de la lingerie. Ouais, puis attache à tuc. Parce que si j'ai commencé par la brassière, je suis capable d'aller plus deep encore. Je vais aller m'acheter une tuque. Karine, tu sais, pour moi, c'est vraiment, vraiment un grand honneur de te recevoir encore. À chaque fois, tu sais, je pense, comme t'es aujourd'hui, j'ai pensé à ça toute la journée. J'étais super content que tu viennes. Je savais qu'on était pour avoir beaucoup de fun. Il y a beaucoup de monde aussi. Tu sais, on est super gros public. T'attires toujours beaucoup de gens, puis c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment, vraiment apprécié. On est super contents. Il y a une couple de trucs que j'aimerais ça qu'on parle ensemble. Ouais. Mettons, je sais qu'on t'a prêté un tandem dernièrement. Ben, tu sais, justement, en fin de semaine, pour que tu fasses la boucle de 135 km, je pense que tu vas nous raconter ça. On a vraiment hâte de l'entendre parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé moi-même. Puis aussi, mais avant ça, je voulais qu'on parle aussi d'une espèce de petite down de course à pied que tu as eu, qu'on a parlé, qu'on a discuté. Puis ça, c'est quelque chose qui va affecter plusieurs personnes, tu sais, qui vont soit s'entraîner un petit peu trop, soit se surentraîner, ou juste, je sais pas, c'est un phénomène qui est connu, là, tu sais, dans le milieu. Là. La perte de motivation complète. T'sais, j'ai eu le privilège de faire un Ironman qui était mon rêve, qui était le net plus ultra sur la bucket list. Ensuite de ça, mon entraîneur qui m'a amené au Ironman m'a dit « Karine, tu prends un break, tu t'amuses, tu t'entraînes pour le plaisir. » Immédiatement après l'Ironman. Oui, tu te mets rien. Puis tu prends un mois. T'sais, tu prends. C'est pas de rien faire du tout, mais c'est juste de décompresser. Tu chill. Ouais, tu chill. T'sais, tu vas courir sa tente, tu vas danser, tu vas nager, tu fais n'importe quoi, mais comme chill out. Et puis, j'ai choisi de ne pas l'écouter et de me trouver un entraîneur qui m'amènerait faire un marathon en vue d'une classification pour Boston. Okay. Fait que j'ai tout de suite embarqué sur une charge d'entraînement, puis du 25, puis du 32 km, puis du 5-2, du kilo et tout ça. Et je suis devenue exténuée. Puis j'ai couru le 30 km de Bromont. Je voulais mourir. Puis il fait comme ça. J'étais finie, finie, finie. Je me suis pas entraînée, puis ça, c'était au mois de novembre, là, si je me rappelle bien, le 30 km de Beaumont. En 2015. En 2015. Puis ensuite, mon marathon, c'était en Californie, en décembre. Je n'ai pas couru du mois. Puis moi, mon objectif, c'était de me qualifier pour Boston en 3h45. Donc, je sais pas trop quoi faire mentalement. T'sais, c'est comme un burn-out, t'sais, puis je veux pas être étiquetée comme la fille qui se tape des burn-out dans toutes les sphères de sa vie. Mais, parce que ça pourrait être ça, mais peut-être que puis c'est correct, c'est ça, au moins j'apprends.
Mais j'étais exténuée, puis c'était à moi peut-être de dire clairement à l'entraîneur, je suis plus capable. L'entraîneur, selon moi, a peut-être eu une défaillance en disant, tu rentres plus tes temps, t'as pas de plaisir. Ton training peak, ce dans quoi on rentre nos entraînements, il est toujours rouge. Karine, oublie ça. 3h45, va-t'en pour le 5h, va-t'en pour le plaisir. J'aurais peut-être aimé ça que quelqu'un me secoue, mais en même temps, ultimement, c'est moi qui avais l'entraînement, puis c'est moi qui réglais la montre. Puis je me suis pas entraînée, puis rendue en Californie, je suis allée, je me suis placée dans le corail, puis je me dis, je fais quoi? Ça fait un mois, j'ai pas couru, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu dans le 5h? Puis je me suis dit, OK, je vais partir dans le 3h45. Au moins, je vais me dire, je vais faire ce qui était prévu de faire là-bas, avec un lâcher-prise. Fait que je suis partie, regarde la montre, jusqu'à 21 km, je tiens le pace, j'ai envie de chier. Les toilettes sont là. Ce qui arrive jamais, petit, j'emploie un gros mot, mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui fuck un temps. Ouais, un peu, hein. Tu peux pas avoir envie des besoins quelconques quand tu cours un marathon. Non. Ça dérègle tout. Ouais, ça dérègle tout. Parce que quand tu fais ça à l'entraînement, tu peux peser sur pause, ton temps, il change pas. En course, ça marche pas. Là, je suis là qui regarde mon temps pendant toilette en me disant « Je serai jamais capable de récupérer tout ça, je serai jamais capable de récupérer tout ça. » Et là, moi, j'aurais regardé, il était où le rouleau, par exemple? Aussi, mais rendu là, tu t'en fous. Puis je suis repartie, puis là, là, le lapin de 3,50, 3,55, 4h, 4h05, 4h10, 4h15, là, écoute, là, tout dans ton cerveau, tout s'effondre. Tout s'effondre. Puis là, je cours, puis là, j'ai de moins en moins de plaisir, puis je commence à sacrer, puis pourquoi je suis là, puis tu sais, on passe tous à travers ça. Puis là, à un moment donné, j'arrête, puis je me penche, puis je me dis, j'ai tellement mal aux jambes. Puis là, j'entends, « Let's go, lâche pas » en anglais, je sais pas trop. Je me revire, le gars, il est amputé dans son fauteuil roulant. Puis il me dit, « Let's go, lâche pas ». Puis je me suis dit, lui, il aimerait ça avoir mal aux jambes. Fait que j'ai continué à courir. J'avais une copine qui était en arrière de moi. Puis, tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons partout. Puis, je me suis dit, OK, je vais l'attendre. Je me suis assise sur un coin. J'ai attendu pendant 20 minutes. Elle était dans le corail 5-15. J'ai embarqué quand elle a passé. On a fait les 10 derniers kilomètres ensemble. Puis, on marchait, puis on courait. On a fini main dans la main. Puis, c'est là que tu comprends que la course, c'est pas juste un temps. La course, c'est pas juste une distance. La course, c'est un mode de vie, puis c'est une façon de penser. Est-ce que je suis triste d'avoir fait 5h15? Non. Je suis contente d'être allée. Je suis contente de la stratégie que j'ai employée. Je suis contente d'avoir arrêté. Et je suis contente d'avoir été capable de lever mes yeux quand je courais pour voir qu'est-ce qui se passe en queue de peloton. Puis de voir, il y avait un grand brûlé qui était là, qui courait le marathon, qui avait des compresses à grandeur du corps. Puis par son visage, je savais que c'était un grand brûlé, puis il était là. T'es sûr que c'était pas quelqu'un qui était déguisé en momie? Non! Parce que des fois, il y en a qui se déguisent. Oh, okay, écoute, il y avait là, tu sais, je le voyais par ses yeux, par ses sourcils, par le fait qu'il y avait vraiment plus de poils. J'ai vu des guides avec des gens qui étaient non-voyants. J'ai vu des gens qui étaient vraiment, tu sais, dans une forme peut-être pas aussi splendide que je pouvais être. Je me suis dit, mais à la queue d'un peloton de marathon, il y a des choses extraordinaires. J'ai pas sonné la cloche parce que là-bas, vu que c'est un marathon qualification pour Boston, tu peux sonner la cloche pour Boston, tu sais, en voulant. Ça veut dire que tu as fait ton temps puis que tu peux te rendre à Boston. Puis je l'ai pas sonné, puis je me suis dit, de toute façon, j'ai tellement détesté l'entraînement pour le marathon que ça m'aurait rien apporté. Puis c'était correct. Puis après, je me suis promenée à San Diego, puis on a célébré, puis on a mangé, puis on a bu du vin californien, puis je me disais, c'est ça la vie. Puis c'est pour ça que je t'ai amené, tu sais, je t'ai amené deux surprises aujourd'hui. Oh! Puis je t'ai amené mon dossard du marathon de Sacramento. Hey, pas trop magané? Non, pas trop. Je l'ai enlevé après, tu sais, puis je trouve que c'est un marathon de la résilience, puis un marathon d'apprentissage. Puis des fois, tu sais, t'en as fait des courses. Des fois, il y a des « did not start », des fois, il y a des DNF qui est « did not finish ». Puis ultimement, on apprend tout le temps. Tout le temps. On n'est jamais perdant. Ouais. Fait que ça, c'est un... Puis tu sais qu'on apprend, selon moi, on apprend plus dans nos mauvais coups, dans nos défaites que dans nos victoires. Puis les défaites t'aident à apprécier encore plus les victoires. Fait que,
ça fait partie, tu sais, tu peux pas toujours réussir, pas quel... toujours performer. Non, puis à quel point respecter ton corps est important. Ouais. Puis tu sais, c'est applicable dans le sport, puis tu sais, tu l'as abordé un petit peu à quel point, tu sais, il y a des courses qui sont difficiles, que des fois la forme est pas là, le mental est pas là, puis tu veux pas te définir par qui tu es parce que tu cours 60 km, 70 à 3,30 ou à 4 du kilo, tu veux te définir parce que tu as intégré tout ce que tu as appris dans le sport dans ta vie. T'es capable d'être super cohérent avec tes valeurs puis avec ta façon de penser. Fait que ça, c'est le marathon de la cohérence. Karine, merci beaucoup. Ça va avoir une super place en dessous de ta voiture. Ça fit! Ça fit! Ça fit! C'est réglé! Oui, c'est ça! Ouais. Écoute. Karine, on était, nous autres, l'année passée, on s'était parlé aussi, tu sais, pour un tandem. Ouais. Puis, tu sais, toi, ça. Avec ta grande générosité puis ton implication au niveau du sport, ben, cette année, tu as décidé d'accompagner une amie en tandem pour faire la boucle de 135 km de Pierre-Lavoie qui a eu lieu en fait la semaine passée. Puis tu savais que moi aussi, je pouvais te prêter un tandem, puis qu'on était ouvert à ça, puis ça nous faisait énormément plaisir. T'es venu chercher la semaine passée avec pas beaucoup de pratique, hein? Puis tu t'es lancé comme 3 jours avant dans l'aventure. J'ai vu des vidéos que t'as faites avec Fred, j'ai vu ça passer là, t'sais, sur Instagram. J'ai dit, OK, ouais, mais vas-tu pratiquer avec la bonne personne, un moment donné? Puis, c'était genre le samedi, là, tu te chillais avec ton tandem. J'étais là, oh! Mais c'est demain, 135 km. Ouais. Là, OK, regarde ça. Je vais te poser la question. Puis après ça, je t'écoute. Comment ça s'est passé? C'était extraordinaire de A à Z, mais jamais comme j'aurais pensé. Tu sais, le tandem, je l'ai essayé ici. Puis, c'est un tandem extra small, puis je suis vraiment courte sur patte. Je l'essaie, puis je suis en avant nécessairement. Puis là, je me dis, je sais pas, je vais être capable. Tu sais, quand t'as le pied qui est sur la pointe des pieds, puis là, 135 km avec la pointe des pieds, ça va pas super bien. Je sens qu'on va rire. Ouais, c'est ça. Fait que là, je fais la pratique avec mon chum à ne pas faire. Ne jamais commencer avec son conjoint. C'est sûr que ça peut finir en guerre nucléaire. C'est impossible. Je suis en avant, ça marche pas. Il est en avant, je vois rien. Je dis, mais dis-moi là quand tu freines. Déjà là, j'ai comme un peu peur. Parce qu'on sait qu'en tandem, juste pour expliquer aux gens, celui qui conduit est en avant. Il y a le contrôle. Il y a le contrôle des freins. Il y a le contrôle des vitesses. Oui. Donc, celui en arrière, la personne est là juste pour être tirée ou pour pousser. Pour pousser. Pour t'as pousser. Pas le choix. T'as tu le sens. Puis Fred, il est trop gros. Fait que... non, il est pas trop gros, mais il est un peu grand. Il est un peu grand comme ça. Mais en théorie, tu sais, ça aurait dû être lui qui était... Vous étiez pas comme compatible pour ce temps de vie. Non, non, c'est ça. Mais bref, je vois rien quand il pédale. Fait que je sais jamais ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que des véhicules, puis je crie comme... c'est moyen notre affaire. C'est moyen comme expérience. Et là, heureusement, Carole, qui est... Excellente thérapie de couple. Oui, oui, oui. Puis j'ai lu beaucoup de blogs. Après avoir essayé, j'ai écrit « How to ride a tandem ». Je me suis tapé tous les blogs, toutes les vidéos explicatives pour trouver des trucs sur comment bien rouler en tandem. Je sais, je vais au moins apprendre. Heureusement, Carole est un poids-plume. Et Carole doit être en arrière parce qu'il y a un côté où il y a un œil qui voit pas. Donc... Carole est un poids-plume, on part, on fait le test, ça va bien, il faut bien se parler, tu sais, dans la vidéo, d'ailleurs, tu le vois, c'est comme 1, 2, 3, hop, parce que le pédalier, il tourne ensemble. Il y a pas, je peux pas pédaler pendant qu'elle pédale pas, le pédalier, il roule, fait qu'il faut toujours se le dire. Fait que le test est concluant, il pleut un peu, on est contente, high five, mais toujours sur la pointe des pieds, puis je suis en train de me dire, hey boy, vas-tu être capable de faire 135 km sur la pointe des pieds? Le lendemain, c'est la boucle. Je suis un petit peu angoissée parce que là, il y a un peloton, il y a 4500 cyclistes. On n'a pas énormément d'expérience. On a choisi de ne pas être clippé pour être certaine qu'on est capable de mettre le pied droit à terre. J'avais remarqué, oui, c'est ça. Ouais. On ne peut pas prendre de risque. Ouais, t'as bien fait. Fait que là, on part, puis finalement, ça va super bien. On part, descend la côte Berry, youpidou, vent de face, esti. Un vent de face de la mort. Écoute. J'ai roulé 40 km, là, le vent d'en face, la pulsation à 180, le pubis en feu. Il y a tellement de pression parce que le vélo est trop grand qu'à chaque fois, à tous les 2 km, à la fin, je dis, Carole, il faut que je me lève. Je me lève, puis quand je me lève du vélo, juste pour laisser... J'ai l'impression que le sang me monte au cerveau. Imagine comment j'ai l'impression que tout arrête
ici. J.O. va censurer les photos. Oui, c'est ça, c'est une bonne affaire. Il y a pas une... J'ai mal aux orteils, j'ai mal au mollet, j'ai mal à côté du tibia, j'ai mal en arrière, j'ai mal à l'ischio. Clairement, mon corps, il me dit, ça marchera pas. À un moment donné, je dis, OK, on est rendu à combien de kilomètres? On a fait 15 kilomètres. Et on en a 135 à faire. À 15, je suis comme, oh my God, je serai jamais capable. Finalement, j'ai un ami qui est Gilles Gosselin, qui est à peu près de ma grandeur. Puis je m'étais dit, la seule personne qui peut me donner un coup de main si j'ai pas à me sortir complètement du tour, c'est Gilles. Fait que je me dis, si Gilles me dit, je peux t'aider, je vais dire oui. Et là, il pédale à côté de moi, puis Fred avait dit, tu sais, mon chum, il est devant moi. À un moment donné, on fait un train routier, ou presque. Fred se met devant le tandem pour couper le vent. Il y a deux autres gars qui se mettent sur le côté parce qu'on a un vent qui est latéral. Puis tu sais, le tandem, ça fait en sorte qu'il y a plus de vent, il y a plus de surface. Fait qu'il essaie de me protéger le plus possible. Puis on s'entend qu'il ventait beaucoup, hein? Ah, il ventait. C'était écœurant, il ventait. Puis là, il me dit, je sais que tu vas dire non. Il pédale à côté de moi, puis il dit, je sais que tu vas dire non. Je dis, sais-tu quoi? C'est oui. Il avait même pas fini sa phrase. Oui, c'est correct. Oui, je peux pas le faire. C'est au-delà de mes capacités physiques. C'est au-delà de mes capacités mentales. Physiquement, c'est impossible. Et je suis pas en train de me cacher derrière une excuse comme « Ah, si le vélo tandem... » Ah, ouais. Si le vélo tandem avait été plus petit et j'avais pas été capable, je l'aurais dit aussi. Okay. Parce que je gagne rien. On va pas aux Olympiques. On n'est pas en qualification. On était là pour le plaisir. Fait que Gilles, finalement, on échange. Je prends ses souliers à clé puis prends mes espadrilles. Il embarque sur le tandem. En plus, la même pointure. Ouais, tout marchait. On n'a même pas eu à changer rien sur son vélo, sur le mien. C'était un perfect fit. Puis lui est parti à 38 à un moment donné avec Fred devant qui coupe du vent. C'est... Ma Carole, il tapait ses fesses. Ah oui, plus vite, plus vite. Ah oui. C'était comme wouhou. Eux autres, ils parlaient, ils avaient du fun. Puis moi, ça m'a soulagée parce que mon bas de corps respirait. Tu sais, c'était comme OK, phew. Puis ça. Puis je me disais, mon Dieu, je suis. Pas assez en forme, ça n'a pas de bon sens, j'aurais dû en faire plus. Je me rends bien compte que j'aurais pas été capable. Même si je m'étais entraînée comme une dingue, le vélo me permettait pas. Mais qu'est-ce qui est hot, c'est qu'on s'est rendu jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, la vie, c'est ça, hein. Il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée, puis entre les deux, t'essayes de faire de ton mieux. Fait que pour moi, d'être capable de dire, je suis pas capable, c'était parfait. Gilles, ça a donné une signification à sa course. Carole était heureuse parce que, tu sais, ensemble, on a réussi à mettre ça sur pied. Je suis venue chercher vélo parce que vous avez généreusement contribué, puis j'ai pu l'avoir. On est partis ensemble, on a trippé, elle avait confiance. Gilles a pris la relève. On s'est rendu à la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont traînés. À la fin, il y avait une crevaison. Fred, puis il y avait la côte Berry à monter. Puis là, tout le monde est rendu exténué. Fred poussait pour monter. Quand tu demandes de l'aide, t'en as. Tu peux faire semblant d'être au-dessus de la mêlée puis dire... Je ne demanderai pas, tu sais, je vais montrer que je suis tough, je vais montrer. Tu gagnes rien. Fait que là, je trouvais que c'est devenu un événement encore plus grandiose que d'être capable de partager autant sa douleur que son bonheur. Gilles a fini, c'est lui qui a croisé la ligne d'arrivée, puis il a eu l'immense gentillesse de me dire, tu veux-tu finir? Tu l'as fait? Non, j'ai dit non. J'ai dit non parce que on l'a partagé. Moi, j'ai eu le privilège de partir. T'as le droit de finir. C'est toi qui as fait le plus tough. Puis, t'étais-tu à côté? Oui, j'étais juste à côté. Wow. C'était parfait. Puis il était content, puis il a souffert physiquement parce qu'on a à peu près la même grandeur. Donc, tu sais, on est enflé sur la partie qui frotte sur le bicycle. T'sais. On échange ça. Hey, toi, de quel côté t'es le plus enflé? Je disais la même affaire à Carole, tu sais. T'as-tu mal? T'as-tu? Puis oui, on a eu mal, mais c'est extraordinaire. Puis pour moi, c'est la plus belle. Métaphore qu'on peut faire avec la vie, de dire ça marche pas. C'est la même affaire avec la course, tu sais, je t'ai parlé du marathon, puis je veux pas que ça soit triste notre vlog, mais c'est juste c'est correct de dire à un moment donné ça marche pas. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. Fait que ça fait que l'événement est génial, on en parle avec enthousiasme, on est heureux. Gilles, ça a donné une signification extraordinaire, puis c'est drôle parce qu'il y a pas de hasard dans la vie. Gilles avait dit à Carole l'année passée, si Karine peut pas le faire, je vais t'accompagner. La vie a fait en sorte qu'on était ensemble, un à côté de l'autre, et il a honoré aussi la promesse ou le message qu'il avait fait à Carole. Fait qu'à gang, on a permis à Carole d'augmenter son estime de soi, d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Elle a 59 ans, elle est en forme comme jamais. Quand elle mettait du power jump, c'était écœurant à quel point on sentait sa force. Donc, ultimement, c'est comme une communauté qui aide une femme extraordinaire. Elle met un check sur sa bucket list.
C'est wow, mais Karine, pour vrai, c'est wow. j'ai pas parlé beaucoup, mais merci. En fait, la prochaine fois, anime pas. Non, mais je vais juste revenir sur une petite parenthèse et il m'est venu quelques idées. L'année passée, tu m'avais parlé d'une espèce de crème touch. Oui. Ça marchait encore si tu avais pu mettre ça? Knock? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, mais je pense qu'il aurait fallu que je mette la bouteille au contenu. La pression, c'était trop fort. OK, c'est bon. La pression... Je vais juste être sûr que tu t'en rappelais. Non. Ça n'a rien à voir avec le produit. Ça a tout à voir avec... la pression. OK, Karine, on n'a pas eu beaucoup de coupures dans ce vlog-là. C'était vraiment parfait. Là. Même que j'ai pas parlé beaucoup, là, on le sait. Moi, quand je finis mes vlogs, j'aime beaucoup bégayer comme ça. Puis je demande tout le temps aux gens... je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils m'ont apporté pour finir le vlog. Mais tantôt, au début du vlog, je sais pas pourquoi tu m'as donné déjà, sans que je te le demande, ton dessert que j'ai mis là. Ouais. Mais tu m'as parlé qu'il y avait quand même une espèce de... Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi depuis cet échange de soutien-gorge. J'en ai signé Karine Champagne. Ah ouais, j'en ai toujours pas besoin. Je l'ai jamais porté. Non, j'espère que tu l'as jamais porté. Sinon, c'est sûr qu'il te fait pas. Non. Puis là, je me suis dit, OK, moi, la première fois que je vois la belle brute des bois, je lui amène mon soutien-gorge. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu sais, parce qu'il faut... mettre ça sur une coche de plus. En plus, à ma teinte? Ouais. Non, je t'avais texté aussi. Tu as dit, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Oublie pas de m'amener quelque chose. Je suis comme, OK, je vais regarder dans mon stock. Vraiment, il ne rentre pas grand-chose là-dedans. Mais je vais en acheter un neuf. OK, c'est important de te dire que c'est neuf. OK. C'est important pour tous les gens qui regardent. C'est neuf. Tiens, une belle petite pochette avec des fleurs en plus. Mais il faut que je l'ouvre? Ben oui, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Diva. Diva. OK. Diva. Ben, je trouve ça correct, quand même, non? Ouais, non, c'est pas normal, il faut que tu ouvres, ah ouais. OK. Peur de pas savoir c'est quoi, quand même. Ouais. Un peu. OK. Oh! Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un dé à coude de géant. Oui. Mais ça doit pas être ça, hein? Moyen. Puis je pense qu'en faisant ça, je le contamine. Hein? Ben, peut-être. Okay. C'est une diva cup. OK. Wow. C'est pas quelque chose qu'on se met sur la tête. C'est pas une corne de licorne. Ah, je la comprends. OK, c'est ouais, ça. C'est bon. Ça, c'est une coupe menstruelle. Une coupe menstruelle. OK, c'est... Puis tu l'as pas porté. Non, je précise que je t'ai acheté quelque chose de neuf. C'est-tu quoi? C'est-tu quoi? Attends, je vais juste me demander de quel sens tu rends ça. De même. OK, c'est bon. Puis ça récupère le petit liquide qui tombe une fois par mois. Les caillots, ils restent poignés. C'est ça. Ah. Mais après, tu le nettoies, tu laves tes mains, tu le replaces. C'est extraordinaire pour la course à pied, c'est extraordinaire pour le sport. Il y a énormément de femmes qui utilisent ça. Puis je me disais... Il y a la brassière et là, il y a la diva cup. Bon. Hey, sérieux, là, et tantôt, je sais pas, ça vaut comment, tu sais? 34 piastres. Pour une cup? Oui. Okay, mais c'est pas mal à vie, ça. Il faut juste à lave. OK, puis c'est parce que les magasins de sport devraient se procurer ça, je sais pas. Ben écoute, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça se vend en pharmacie, mais je te dirais que tu veux pas le laisser, tu veux pas, je sais pas, en tout cas. Non, mais je vais la laver, là. Moi, si t'as jamais essayé mon soutien-gorge, je suis convaincue que tu le laisseras jamais, sinon... Bonnie. Sinon, je peux juste te dire, si tu me réinvites une troisième fois, j'ai déjà des idées. Oh! Ben Karine, l'invitation est lancée, là, tu reviens quand tu veux. Mais plus de cadeaux, je vais être la seule à qui tu vas dire, « Asti, amène rien. Ben... » limite, là, je peux dire, oui, tu sais, mais on aurait quasiment pu faire un vlog complet avec tes cadeaux, là. Ça va être un vlog spécial Noël. Oui! Hey, je vais te préparer une méchante chronique. Non, mais t'as juste apporté trois cadeaux, vraiment, on couvre un vlog. Ben, on en a pour 2 heures. Ouais, c'est ça. Surtout des comme ça, là. Fait que ça, je vais laisser ça, hein, on trouve une place, là, je sais pas, je vais y mettre une pied, là. On va checker ça. Hey!
OK. Pour vrai, Karine, je pense, me rappelle l'année passée, je l'ai vraiment écouté beaucoup de notre vlog, puis tu sais, je l'ai vraiment trouvé bon, puis je vais finir pareil comme l'année passée, je vais dire que j'aurais continué comme ça pendant des heures, tu sais, c'était vraiment immense plaisir, puis tellement drôle, puis tellement, t'amènes quasiment une équipe de hockey avec toi quand tu viens ici, là, tu sais, c'est écœurant. Mais merci, tu sais, c'est hot ce que tu fais, c'est hot qui tu es, puis c'est hot ce que tu es capable de faire avec la boutique au coin du pédaleur. Je trouve ça vraiment extraordinaire qu'ils aient misé sur toi pour promouvoir la boutique La Course à pied. T'es une personne extraordinaire, t'as des qualités fantastiques et je suis contente que tu sois capable de partager ta passion avec tout le monde. T'es vraiment gentil, ouais. Super généreuse. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, peux-tu t'embrasser? Karine, là, on est rendu au moment où tu signes ma table. Avant, là, tu sais, je faisais faire le tour à l'invité. À cette heure, j'ai découvert une stratégie assez marketing. C'est qui? Je te switch la table en face. De même. Puis, je te donne le crayon. Oh yes! Ensuite, il va falloir que tu signes tes cadeaux aussi. Mais commence par signer la table. Okay. Fais-moi quelque chose de cool, là. T'sais. Ouais, c'est super. Ça. Voilà. Parfait. Ton dossard aussi. Oh yes! Résilience. Je suis pas sûr d'avoir compris qu'est-ce que c'est, là, mais le moyen de contraception le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pas un moyen. Ah. Viens, je vais te montrer. On... tu peux pas l'enlever avec tes dents. Je n'aurai pas le goût de l'enlever avec. Je ne rentrerai jamais dans ma vie signer une diva comme. Shooter! Mais attention, il faut boucher le trou en bas. On en achète deux qu'on fait un chin. Avec deux petits gars en cours.